Che? Ok. Ok, donc on est de retour. Hola. Est-ce qu'on est de retour? Juste vérifier voir si on nous entend comme il faut. Ok, donc on est de... Ok, on a eu un beau petit bug live. Link qui saute puis que... Le Wii U a tout simplement fermé. Mon Elgato a buzzé. En réalité, tout a lâché. Ça a été El Puto. Est-ce que j'ai dit Donc, un mauvais mot? au moins, ça nous a sauvegardé dans notre sanctuaire, donc on n'a pas perdu grand-chose. On a juste perdu un petit 5 minutes de temps. Leur Donc, on va saute pas. appeler cet épisode-là le 12.5. Le Le 12.5. 12.2, mettons. Le 12.2. Oh, j'ai complètement raté mon saut, mais c'est pas grave. C'est ça. Donc, logiquement, c'est ici. Ça marche pas avec ça, mais ça peut marcher avec ça. Ok, donc si je mets ça là. C'est bien, c'est bien! Il y a quelque chose qui me dit que je vais pas se passer dans la face. Un, 3, 4, 5. Je pense que c'est pas mal tout le temps aléatoire. 4, 5, 1, 2, 3. 4, 5, qu'est-ce qui arrive si tu bloques le premier avec le bonus? 1, 2, 3, 4, 5. Oh! Ok, ça a passé. Chouette. Check ta vie, par exemple. Je veux bien croire, mais j'ai plus grand-chose à manger à part... Ça se fait chier, ça me redonne même pas de cœur. On s'entend que... Des glaives de gardien, j'aime bien ça. Qu'est-ce qu'on a? Longue épée de vertu. Mais j'ai toujours pas de place dans ma sacoche. T'as encore des affaires de mots gobelins, faut que tu peux les jeter. Good. C'est bien! C'est bien ça. Donc, ça va chauffer. Ouf. Et c'est le but. L'instant, ce sanctuaire-là est assez facile. Comparé à ce sanctuaire qu'on a fait. Bon, épée de chevalier, ça je l'avoue aussi. Je vais acheter une batte de mon gobelin. Pourquoi il y a un diamant à côté d'une de tes épées? Check. Durabilité. Parce qu'il y a celle-là, puis il y a celle-là aussi. Elle est un petit peu plus solide que. Que le moyen. Glaive de gardien habituel. On va voir combien de temps de plus ça va nous donner. Les lances sont une forme de gardien. Une épée rouillée aussi si tu veux prendre l'autre truc de gardien qui a volé je sais pas où. Ok, là faut que je ah, libère. Ah, c'est là, c'est là.
Une douane est verrouillée. Oh, le casse-pied. Le casse-pied. Ça, j'imagine que ça va pouvoir bouger de là. Ok, il faut juste que je descende en bas là, d'après moi. Ok, champi. C'était pas prévu. Ok, mais comment? Mais... Tu peux-tu le faire tenir en place avec ton... ton pouvoir de jaune? Good. Sauter aussi, ça fait l'affaire. C'est quoi ça? J'aime pas trop ça. On va aller voir c'est quoi là. Ok, pouta stick. Ah, okay. Oh, c'est pour une table shaker. Oh. Ah, ça me permet de contrôler le petit le marteau. Petit. Petit. Ça vient un coup. Oh. Non, vraiment. Non. Peut-être juste la côté pour voir où ce qu'il faut. Oh. Patrie. Parce que vous voyez pas les moves que je fais. C'est épique. Plus que ça. Bête pour rien, Martin. Ouais, hein. Ah. Si. Birdie! Donc on continue d'avancer. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Une autre arme, je gage? Non, oh, un cœur antique. Cœur antique? Ensuite. Qu'est-ce qu'il y a là ici? Absolument rien. Une flèche de feu. Non, ça je sais. Ça veut dire qu'il va falloir que je prise là pour... tirer une flèche. Ok, il va falloir que je prise là pour, c'est ça, pour que ça revole. Ok, donc... petite flèche de feu. C'est genre la dernière seconde, je pense. Même. Oh!
Il me faudrait quelque chose pour tenir la porte. On doit avoir manqué quelque chose quelque part. Faut que j'amène un objet pesant. Voilà un objet pesant. Tu peux pas apporter d'objet pesant, non? J'imagine Link qui squeeze entre le mur puis la boule puis qui pousse de toutes ses forces avec ses jambes. Ah. You think? De prendre avec le Polaris la boule puis de la porter là-bas? Tu penses à faire? Quoi? Non. Ok, t'as un peu, y'a de quoi qui marche pas là. À quoi qu'on a pas pensé? Ah! Je vais essayer de figer le truc. Ok. Ça. Ben c'est ça, je t'ai dit tantôt que t'aurais pu faire avec lui. Ok, ça, ça veut dire qu'il faut que je le fige, puis j'aurai pas énormément de temps non plus pour. Ok, lui il est figé. C'était donc ça. Ça ici. Ça aussi, j'imagine qu'il faut que je le fiche. Tu es avec des claques. Suffisant? Oh, nice. Ouais, j'ai raté quelque chose, cette là. Un coffre. Une place où mettre des bombes. Toujours. À peu près souhait. Pardon. Ouh. Je pense que ça vaut la peine d'attendre un petit peu. Ça achève-tu, là, ce temple-là? Il est long, ce sanctuaire-là. Ça, c'est quoi ça? What? Ok. Oh! Ok, mais ce coffre-là ici, je fais comment? Il est accessible de par derrière? Oui. Ah, fait qu'il faut que t'essayes de drop là, genre. Ok, fait que là, ce que je vais faire. Toujours essayer de faire les sanctuaires le mieux possible. Qu'est-ce qu'on aurait raté si on l'aurait pas pris? Oh! Un diamant brut. Et brut. Et là, on peut aller voir le sage en haut de la montagne. Si tu y arrives. Ouais. Je vais y arriver. C'est juste faut que je pense, rendu en haut, de mettre mon paravoile. Comme ça. Je dirais qu'à la bonne place. Et voilà. Un autre sanctuaire est terminé. C'est ça, ce qu'on sait, c'est quoi? On a reçu une petite boule. Ultra loading. Bah ben, une autre bonne chose est faite. La 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 la. Ah, maintenant on a deux créatures. Il y a un chameau puis un éléphant qui Qui s'amuse. Et
bientôt, ça va être toute la compagnie du roi lion. Et l'histoire de Naboris. Oh, il y a un gardien. Près de la tour. Comme je me suis bien dit. Oh shit. Oh shit. Surtout que j'ai plus ma flèche. Non, tu l'as-tu encore? Non, j'ai utilisé contre. Contre le dernier boss là. Contre cette chose là. Le oh. Boss qui m'a tout pris mes ressources. Et c'est pas ça? Je sais pas, il y a quelque chose qui. Il y a quelque chose qui glapouille derrière toi. Ils sont normés mutants, eux autres. Je te gâche toutes mes pommes sont tombées en bas. Il y a quelque chose qui a flouflouté, là. Ok, là, la grande question c'est est-ce que je suis capable de voler la tour sans que le gardien me court après? On va peut-être te faire une petite sauvegarde. Juste au cas où. C'est quoi la fer verte en haut là-bas? Non, pas là. Là. Je sais pas trop où. Je crois qu'on va aller voir ça bientôt. Aucune idée c'est quoi? Je pense qu'on va aller voir ça après la tour, en fait. Ok, là le but c'est de voler jusqu'à la tour sans que le gardien envahisse trop notre peau. Good luck with that. Moi c'est surtout le après. Ou le avant et pire, qu'est-ce que t'en penses? Ok. On va se tirer une petite save ici. Je pense qu'on va mourir. Geronimo! Oh, si, il y en a un autre là. Un autre qui était ici. Ah, oh, puis en plus, il y a un marécage. Au colis. Oh. Au colis! Est-ce que je suis safe? Nope! Tes fesses! Shit! Ok, mais il vise. Il y en a comme deux! Il y en a un autre là-bas. Tu feras attention. Des murs comme ça, ils me voient pas. Mais je suis juste à côté, genre. On va tellement mourir. C'est bien ça, il va en avoir un en haut. Et voilà, on est safe. On active notre tour. Ouais, mais il faut redescendre après. Un souvenir, un sanctuaire, une tour. Oh, tu te tenais pas trop au sanctuaire. Good.
Good, 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 good. Il y a quelque chose que je viens de voir que j'ai bien aimé. Ceci. Ouais, sauf que il doit y avoir plein de quartiers. Ça doit être notre place qui est devant le château. Il doit avoir un souvenir là. Ça se trouve à être. Devant nous autres, plus en biais peut-être par là. Ouais, c'est les forêts que tu vois là-bas. Ça? Je me trompe dessus? Absolument qu'on allait faire tout de suite le souvenir. Juste dessus, il y a des éclairs. Ouais. Oui. Le prochain est de faire strike. Je te protégerai. Je pense que ici, ça va nous prendre le masque du temps. Tu peux pas y aller tant que. Ok. On va faire un petit move intelligent. Ben, peut-être au sanctuaire aussi. Où est-ce que tu penses que le switch pourrait être? Mais là, je comprends pas comment que le monde peut se rendre au château de Ganon direct au début du jeu puis aller le battre. Ouais, il y a quelqu'un qui ça? Ouais, on peut en faire. Ben, dans des bonnes conditions, peut-être que ce serait bien, parce que là, il mouille, il y a le tonnerre, il y a tout, là. C'est partout, là. Ok, là, je regarde par là. Fait que si je regarde par là... Ben oui, gars! D'après moi, là, il faut juste aller dormir. J'ai dit que je voulais explorer une autre zone. Fait que, on va aller chercher une autre. Où est-ce qu'il n'y a peut-être pas d'éclair? On est même pas allé voir c'était quoi l'affaire, la grosse affaire verte. Une chose à la fois. Ouais. Une chose à la fois. Je n'ai pas la one. Ok, au moins ici, il n'y a pas d'éclair. C'est une bonne chose. Hop, tu peux te faire des petits plats aussi. Ok. Avec le peu de choses qui nous restent. Oh.
C'est bien. Ouais, mettons. Une poêlée végétale. Ça, je peux en faire encore quelques-unes, fait que... Pourquoi le Claude de tantôt... Ben, parce que c'était la première fois que tu l'avais débloqué. Quand même, l'autre tantôt, il donnait juste un cœur. Ça me donne un cœur. Non, la première que j'ai faite, elle a donné 5 cœurs. Ben, c'est peut-être parce que c'est la première fois que tu le faisais. Parce que, il va manger beaucoup de chutney aux fruits, hein. Attaque niveau 2. Des herbes ensemble. Bon, pour moi, on a un masse de... T'as fait une salade. Pour moi, on a un masse de choses se healer un peu. Le chien est dessus parce qu'il t'aime. Il fait la grosse matinée. Ah! Oh! Regarde qui est là! Là-bas. Le gars avec le gros sac. Peut-être qu'il va nous donner une flèche.
ton diamant brut. Tes souhaits. Oh, 1080. Shit. Yay! Ton diamant brut est sur l'autre page. Wow! Shit, on devient riche. Pour les flèches. Oh, c'est monsieur! Yay! Ok, donc là, maintenant qu'on est monsieur, on va faire une petite exploration à d'autres cheval. Dommage qu'il nous respecte pas, on aurait pu les donner à monsieur. Grosse falaise. Fait que j'avais pas le choix de. De contourner. C'est quoi qui m'a fait ça là? Mais il gâche ça. C'est comme ça qu'il me claque ses fesses. Genre, ah, tiens! Méchant. Ça va être plus rapide avec monsieur si tu le... Bon, monsieur, il nous voit pas pendant des mois et des mois. Puis genre, on le voit deux secondes, puis après ça, on monte une montagne, on le laisse faire. Genre, monsieur, fais ta vie. Ok, là je vais aller. C'est vraiment ici je passe. Regardez si on allait se péter la gueule.
pour marcher là, c'est la fin. C'est pas grave, je peux marcher. Hey! Je devrais y arriver. Hey, non, ça y est. Je pense que tu devrais faire le contour. Tu vois, monsieur, il va faire comme... Je te l'avais dit. Il y a une place que je peux passer ces montagnes-là. Te frapper par la même occasion. Appelle ton cheval. Le passage est passé quand même. Ok. D'ici, je devrais être bon de monter là. Ça doit tellement être rough pour les genoux là. Pauvre. Thank you.
pense que ça y va. On va pouvoir voir c'est quoi de l'autre côté. J'ai cueilli le champignon qu'il y a là. Ok, qu'est-ce qu'il veut lui? T'es plus gros que eux. Seulement on est dans une autre zone. Une zone qu'on n'a jamais explorée. Allô? Je suis désolé, je sais que c'est cruel, mais il faut de la viande. Ok, ça a l'air encore trop abrupt pour l'escalader. On devrait rentrer plus dans la zone. Une zone qu'on n'a jamais vue. Okay. Quelle montagne aussi. Qu'est-ce qu'elle a à nous offrir cette zone-là? Il va y avoir une tour à quelque part, quelque chose. Oh. On voit un bâtiment par là-bas, on va aller voir c'est quoi. Non, c'est les guillots d'eau. Ouais, on est déjà allé. Jedi. Ok, ici. Oh, c'était la zone des Yegas. Ça, il y
Là, on est en train de revenir sur mon pas. Ok, on peut bien escalader à partir de là. Parce que oui, là, je pense qu'on est dans une période qu'il faut escalader pas mal. Parce qu'on est vraiment dans une zone qu'on n'a jamais vue. Ici, là, ça a l'air très montagneux. Il doit y avoir une tour quelque part là-dedans. Là. Ouais. Surtout cette zone-là n'a pas de l'air immense, immense. Là. Ok, ici ça devrait passer. Ça devrait passer, mais je suis pas sûr. J'ai juste un petit boost d'endurance là. En espérant que ce petit boost là va me permettre de passer, parce que sinon je vais dépenser ça pour rien. Juste un autre. Mais moi, j'ai peut-être un champi tempo. Tantôt, tu t'es fait dire que les champi tempo, ça aidait. C'est les champignons mauves. Là. Non, mais ça, c'est plus la vitesse. Oh, merde. Ben, essaye, puis tu verras, là, mais... Puis un petit saut à la fin. Non, c'est ça que je voulais. Shit. Peut-être essayer de passer par un autre endroit. Regarde, saute-le. Peut-être passer d'une autre façon. Yes. Oh my god, ah mon dos. Ok, ici est-ce que ça passe? On a un flanc, c'est que ça passe là. On va essayer ici de voir là. Non, ça je suis pas sûr. Je vais pas descendre plus bas, je veux monter. Ah oui, là je pense que ça passe. J'aimerais ça monter assez haut pour être capable d'avoir les horizons. Allez mon petit pote, t'es capable.
seule la voiture. Non, je me rends. Ok, je suis pas sûr là. Allez, 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 t'es presque rendu. Il faut que je me garde l'énergie pour faire un petit saut. 3, 2, 1. Ah, c'est que j'aille ça quand il fait ça. Ok, là, là. Une affaire que je déteste dans ce jeu-là, c'est la caméra. Pas de contrôle sur la caméra, pas en tout. T'as peut-être justement trop de contrôle sur la caméra, non? Ouais, mais là, là, cette zone-là, elle sert à quoi si c'est juste des petites montagnes, là? Ben, l'autre bord des montagnes, il doit y avoir quelque chose, là. On s'entend aussi que t'as pas suivi le petit chemin, t'es allé direct dans les montagnes. Non, mais le petit chemin m'a ramené nulle part. Le petit chemin faisait juste suivre. Non, le petit chemin. Ça et ça de garde. Ouais, mais le petit chemin, à ma manière, il mène là. Mais, ouais, mais tu peux aller par là. À moins que j'aille au mont Daphné et que j'essaie de passer directement là. Ah, oh, tu peux essayer. Il y a Kamata, ça veut dire que c'était. C'est là qu'on était tantôt. Ben. Non, ouais, peut-être. Ouais. Mais ça, c'est le sanctuaire, fait que tu vas pouvoir te. Ouais, l'épisode avait bien commencé avec un beau sanctuaire, un souvenir et tout ça, mais ça a comme stagné un peu, là. Oui, là, oui, là. Avec l'exploration de montagne, là. Il y a un bug. Ok, là, je suis là, ça veut dire qu'il faut que je tourne. Par là. Ok, c'est direct devant nous, comme ça. On voit que les montagnes étaient hautes. Ben, on pourrait. Ouais. Okay. Moi, là, je veux vraiment découvrir une autre zone pour. Dans cet épisode-là. Il y a un sanctuaire là. Si je suis ma route, je devrais m'y rendre. Y a-t-il une tour pas loin? Parce que logiquement, on va entrer dans une nouvelle zone très bientôt. Là, ah, il y en a une là. Tour, je pense qu'il est là-bas. Ici, il y a un bateau. Il y a un petit pont aussi là-bas. Il y a un petit camp de Mokobline. Le pont de Grillo. Et ce petit pont-là, il ne correspond à rien pour nos souvenirs. Oh! Les mogoblins arrivent. Quand un mogoblin t'attaque avec une louche, c'est ça qu'on appelle que. Ça se fait un peu chaud. Ok, bon, on a les petits melons, on a les autres épaules. Hey, chien, il va se cacher dans les boîtes, lui. C'est-à-dire, il est chiant, lui, de m'avoir tué?
flèches. Je vais passer des flèches là-bas. Là-bas. C'est bon, ça. Et voilà. Je sais pas si je capote, mais j'aime bien cette... Moi, j'aime pas ce qui est sur le côté de la montagne. Il y a l'air d'avoir quelque chose. Cette ruine-là me rappelle drôlement un souvenir. Sans dans ben you! What? Utiliser ma prière à tout moment. Merci. Allez, je suis sûr qu'on va trouver un autre souvenir là-dedans. Ah, là-bas, ouais, ça pourrait être un souvenir, là. C'est comme de la gelée bizarre, là. C'est l'éternuement de Ganon. Oh, je le filme pas, ça. Ça, c'est un Yigas. Quand ça pleure, c'est un Yigas. Ah non, c'est pas un Yigas. Est-ce que je peux me risquer non plus de marcher sur des roches quand c'est mouillé de main, on va tomber. Non, c'est comme un autre matou, ça. Il veut se battre, ben il veut... Oh non, pas eux autres. Je ne te protégerai pas. Je crois que tu ne devrais peut-être pas rentrer. Tu devrais attendre devant la Master Sword. Trouver le Sword. Trouver d'autres cœurs. Il y a des monstres comme ça que tu devrais faire. Nope! Non, mais c'est juste que là, je trouve qu'on tourne en rond, puis on affronte pas grand chose, puis on est tout le temps faible. Ben, c'est parce qu'il faut faire plus de 5 soirs. Pour avoir plus de kicker. Je peux essayer de l'affronter. Sauf que. On n'est pas assez fort. Hop.
T'as pas le pont à côté de toi là? Qu'est-ce que c'est? Bon ben. Tu pourrais arrêter de mouiller aussi, ça aide là. Il y a 2-3 shots, je serais capable d'y aller. Ça n'a plus l'air de vouloir arrêter. Ok, c'est beau, j'ai compris, j'irai pas, si. Pas vite. Ouh, ça sent ça, non? Je pense que oui. C'est un...
On l'a pas vu, lui. Semble que non. Je sais pas si mon tapin qu'on pourrait chercher la fontaine des grandes filles. Ça serait nice, hein. Au village que pas beaucoup. Mais de toute façon, ici, je peux pas revenir en tant que tel ici, mais je pourrais retourner là éventuellement. Bling. Ok, village Kegariko. Voyons, c'est moi qui est stupide là. Ah, puis là, j'ai là. En espérant qu'on le trouve. Peut-être que justement la fille pourrait nous donner des pouvoirs pour être un petit peu plus fort. Ça, ça pourrait être carrément le Lost Wood. Non? Ah non, c'est juste le... Le genre de la forêt qui est à côté de... Ouais. À côté du village. C'est juste ça. Est-ce que... Ah. Ah, ah, ah. Mm-hmm. On ne va rien pas, hein. Ça aurait des bonnes choses à nous dire. Ils disent qu'il y a une grande fille pas loin. On va explorer les environs, voir ce que ça pourrait nous donner. C'est sûr que ce bois-là, on n'est jamais allé. Hein? Par où on est allé? Je pense que c'est par là qu'on est arrivé, en fait.
Non, en fait, je pense que c'est pas vraiment par là qu'on est arrivé. C'est le petit chemin, ouais. Dans l'autre, on est arrivé par là. Oui, c'est ça. Si je suis ce chemin-là, ça nous amène aux plaines de Serre. Sasla. Tesla. Je suis déjà allé là, mais. Ouais. C'était avant de rentrer dans le truc. Zora. Ouais. Bon, peut-être essayer d'interagir le bon retour. Dans son bâtiment à elle, ça se peut-tu? Mais si ça prend une flèche. Ouais, mais peut-être que c'était derrière elle. Qu'est-ce qu'il y a là que je pourrais allumer? Elle a dit que c'était une lanterne ou quelque chose du genre. Celle-là. C'est parce que t'as pogné le comptoir. Il y a comme un mur ici, je pense. Ça, c'est stupide. Mais elle disait de... différentes démonstrations de... soit qu'ils ont été un archer. On a mis les torches de la statue de la déesse. C'est à l'extérieur.
loin sur la mission, mais c'est à côté. Sur le point. Est-ce qu'on voit une statue d'ici? Pour la grande fille. Oh, je parlais de chute là-bas. Là. Les torches de la statue. La déesse. Ben, la statue de la déesse est devant chez une femme. Je pense. Ouais. Elle est devant chez une femme. Donc. Elle nous demande là de... Mais non, 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 pas là. Elle est genre là, là. Mais je pense que c'est pas une idée, elle va juste devant. C'est ça, sur... va devant, tu vas voir, et au pire, tu remonteras là tantôt. Ça, c'est chez Impa. La statue, est, là où ce que je t'ai montré, là, est juste devant ça. Là-bas, il y a une source et elle a l'air de mener direct dans la forêt qu'on n'était pas allé autrefois. C'est pas qu'on n'était pas allé, que genre. Elle est où la statue? T'as vu? Elle est là. Ah, c'est ça qu'avec Canal, les torches là? Bon, là ce que je te disais là, pour gars, ici là t'as une petite rivière sur ta map que tu peux remonter avec ton gars ici. T'as une cascade là, tu peux remonter avec ton truc Zora. Puis ça va te mener direct à la forêt, fait qu'on va pouvoir aller voir, vérifier si la forêt c'est vraiment. Ouh! Hey, tu pouvais les attraper?
chose en bas. Mets ton armure aux orages. Peut-être prendre une boule pour l'activer. La boule que je n'aime pas. Ce lapin là. Il donne des rubis. Il chie des rubis. Mais pour moi, il faut l'attraper. Oh, regarde, il y a quelque chose au milieu là. Et comme un arbre qui est vraiment le cerveau. Là, ah, il y a des gros champignons. Je suis curieuse. Peut-être qu'elle va pouvoir te donner une boule. Trouver la jambe fée, là. Il y a plein de fées autour. Mm-hmm.
Qu'est-ce qui vaut plus la peine? Peut-être ta mise au rang. Non? C'est niaiseux, mais ça fait juste me racheter un petit peu de défense, ça va peut-être aider. Il y a plein d'affaires que j'ai jetées pour les vêtements que j'aurais peut-être pas dû. T'as jeté des vêtements? Non, mais tu sais, les. Ah ouais. Les matériaux qu'on trouvait là. Tiens, je vais tout avoir amélioré ce que je peux. Fille de trophée, yes. C'est la fin qui est plate, c'est que je pense que ça ne donnera pas de points pour se téléporter, mais au moins on sait où se caler. On va trouver des nouveaux matériaux en plus, des nouveaux ingrédients. Donc là, ce qu'on pourrait peut-être faire, c'est juste ça. C'est peut-être d'aller chercher la boule dans le truc des mains. Je vais la porter ici, là. Je vois pas comment que je pourrais la porter. Ben, tu peux la figer puis la taper. Là, sais-tu que je m'en vais dans une place que j'ai jamais été? Ok, là nos deux créatures divines qui nous restent à trouver. Il en reste une là puis une là. Donc. On va aller faire les gorons en premier? On est peut-être pas ce soir, mais comment ça te parle? Non, mais. Je comprends parfaitement. Mais je pensais qu'on allait. Ouais, c'est vrai, parce que c'est celle qui est plus facile à aller. Je pense qu'on va sauvegarder en haut de la tour, puis après ça va être la fin de l'épisode pour ce soir. D'accord.
ça. On est à 2h presque et demie de let's play encore pour ce soir. Ça a bien avancé encore malgré tout. On a quand même trouvé une grande fée. Une fée, un sanctuaire, un souvenir. C'est des quêtes secondaires. La créature divine est là-bas, là. Elle est là. Non, ça c'est celle des piafs. Celle des gorons est après le volcan. Et d'après le volcan, elle est là, là. Non, c'est vrai. C'est un gros lézard. Je sens qu'elle va être compliquée. Parce que ça a l'air d'être un gros oiseau. Ok, donc on se tire une sauvegarde ici, puis on va... C'est une biche. Ce qu'on va faire, on va donner rendez-vous pour l'épisode malchanceux, l'épisode 13. Ta-ta-ta. Où on va essayer d'aller... De toute façon, là, j'ai des affaires pour contrer la chaleur, là. Fait, je sais pas si ça va fonctionner. Mes espèces de petites potions que je m'étais faites l'autre fois pour les guérir d'eau. T'en as une, elle est là. Le reste, c'est pour le soleil guido. J'ai l'impression qu'on a des températures élevées. Ouais. Ça, c'est pour les températures. Non, c'est parce que quand t'étais là, tu pognais les jets en feu, là. Extrême. Extrême, c'est ça. Ça veut dire qu'il faudrait que je trouve. Ça, Magnifus, quand ma goblin est de feu. Après, je m'en fasse de la nourriture avec ça. Au pire, le prochain épisode, on ira se faire de la nourriture avec ça, là, des remèdes, je veux dire, puis. C'est une autruche. Je sais pas. Non, c'est un lézardeau. Ta flèche pogne legit en feu. Le petit win personnel de pogner le lézardeau. Comprends plus rien, comme ouais. Lui, tu vas vraiment se demander d'où c'est que ça vient. Oh! Oh shit! Les paysages sont très beaux. Donc, mais là, de toute façon. Je vais te dire, il est là. Pardon. Moi, je comprends toujours pas. Toujours pas quoi? On a vu une espèce de petit rond avec un. On a fait la Triforce pas loin du château pour un des souvenirs. Ouais. Ben, ça doit être la place tantôt où ce qu'on a essayé d'aller, mais que. Il y avait juste du tonnerre partout. Faudrait essayer d'y aller pendant une journée comme ça. À moins que ton tonnerre soit tout le temps là. Ouais. Pour ça que ça deviendrait pratique d'avoir le masque. Ok, bon, mais de toute façon, là, c'est assez. Donc, bonne nuit tout le monde. On se retrouve très prochainement pour l'épisode numéro 13. Bye tout le monde. Ciao les gens!